Donc, ça va être une vidéo un peu particulière. Euh, déjà, j'espère que vous êtes bien. En tout cas, moi ça va. Donc, aujourd'hui, c'est une vidéo euh, où je vais parler euh, d'un prochain DLC. Donc, euh, un DLC qui va sortir fin d'année, euh, je pense, 2020. On a dit ça arrivera euh, certainement sur un DLC qui sera vers euh, septembre, 2000... septembre, octobre 2010, euh, 2019. Donc, là, cette vidéo, je suis avec Timothée. Salut à toi. Salut. Donc aujourd'hui je vais vous parler du DLC. Donc je, on avait entendu déjà euh, quelques youtubeurs parler euh, d'un DLC éventuellement classe. Euh, là ça se confirme. Farming est en train euh, d'ouvrir le sujet avec euh, euh, bah, justement la firme classe, donc la firme allemande classe. Donc euh, tout simplement euh, toutes les informations, toutes mes sources seront euh, en description, ne vous inquiétez pas. Donc euh, on va regarder la petite vidéo, donc, je ne vais pas mettre de son, on va la regarder ensemble. Euh, attendez, excusez-moi, voilà, je coupe le son. Donc euh, merci. Merci. hop, euh, je coupe son, désolé. Donc ça parle tout euh, simplement euh, de la farmcom, donc 2017. Donc 2017, c'est pas une on a eu Fent, le groupe Ako. Donc 2018, tout simplement, euh, on a eu le oui, hein, DLC Orch. Donc ils ont travaillé avec Orch. Là, éventuellement, ils travailleront. Donc Farmcom 19. Donc euh, en gros, qui vient à la Farmcom 2019 Voilà. Ils parlent de classe. Classwork, Hans euh, Wenkel, donc c'est l'allemand. Donc en gros euh, c'est une petite vidéo qui dure euh, 5 secondes à peu près. Donc en gros j'ai tra euh, traduit ça sur Reverso. Euh, en gros c'est marqué classe des ouvrages usines mé mécanismes. Euh, en gros, la euh, firme classe, donc je ne sais pas ce qu'il y aura. On n'a pas d'information encore euh, aujourd'hui. Mais on sait que euh, ils sont en train de... À mon avis, ils ont peut-être la licence sur quelques machines. Parce que ça c'est... Déjà, un truc classe de voir ce que Farming nous réserve. Donc ce sera peut-être moissonneuse, ancileuse, tracteur. Donc moi, pour moi, donc, si c'est juillet, donc la Farmcom, à mon avis, au mois de juillet, on va avoir des infos sur classe. Donc pour moi, dès le mois de juillet, on aura un DLC. Donc euh, pas le mois de juillet, mais je dirais, mon avis, euh, plus comme le DLC Patium. Donc euh, là, on sera en compagnie. Ah, attendez, il y a qui qui à un discord. Euh... Ok, Arnaud. Euh, bon, bah, c'est pas grave. Euh, du coup, euh, bah salut à toi Arnaud. Mmh, oui. oui, bah je suis en train de tourner une vidéo Arnaud, mais euh, t'inquiète, c'est pas grave. Euh, du coup oui Arnaud, je sais pas si entendu parler d'un DLC classe. Euh, d'un DLC classe non. Pardon. Alors j'ai tombé le truc. Alors, franchement c'est sorti aujourd'hui. Euh, je t'envoie... Mince, li... ben, c'est la traduction. Bah, ça je t'enverrai... En fait, bon non, 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 c'est pas un essai qui est sorti. Alors, ça c'est sur Facebook. Euh, ils parlent qu'ils ont en gros la licence... Euh... Bah, qu'ils ont pas la licence encore, mais ils sont en train de travailler avec classe. Et en gros, en, en traduction, euh, à la fin, c'est marqué... Classe where Arns, Knell... Bah, Timothée, si tu peux nous envoyer le truc, ça dérange pas. ou Enfin voilà. Et en gros c'est en traduction la classe des ouvrages usines mécanismes. Donc en gros c'est ma théorie est pratiquement sûre à 400%. On aura un DLC classe, je pense, comme le DLC Platinum, c'est-à-dire euh, fin début novembre par là. Octobre, novembre. Oh, comme pour Patinium, mal, ça. donc ça c'est cool. Donc je sais pas ce qu'on aura dedans, hâte de voir ça. Donc voilà pour l'information. Euh, ouais. Et il y aura certainement un petit DLC carotte qui sortira. Alors là, j'ai pas énormément d'infos, enfin voilà. Euh, J'ai pas vraiment de source exacte Mais bon après c'est quelques tueurs qui parlent de ça Timothée m'en avait déjà parlé Donc on verra bien Donc voilà et du, du DLC class ça fait longtemps que je t'en avais parlé aussi Oui ça fait Bah quand tu m'as parlé d'un DLC carotte D'un DLC class Moi je disais ouais pourquoi pas Mais là franchement Class Je pense que voilà Ils vont signer le truc Et c'est ce qu'il va y avoir Je pense qui... Le DLC class toi t'étais mitigé crois Non j'étais Ouais non j'étais que... ouais, mitigé Mais moi personnellement euh, Ça me surprendrait pas que class en fait, euh, Class pour moi, euh, c'est une marque qui a beaucoup de matos, enfin, même en France. Enfin, voilà, c'est une marque assez connue et euh, qui commercialise euh, pas mal de tracteurs. Enfin France. c'est peut-être pas la... peut-être pas beaucoup énormément de tracteurs, mais bon, si quand même assez, comme John Deere, on va dire, c'est moins John Deere. Enfin voilà, je sais pas, enfin voilà. Et en gros, euh, moi, ça me surprendrait pas que Class viendrait sur Farming un jour, comme John Deere. Franchement, John Deere, j'y croyais pas, parce est alors, enfin voilà. Mais John Deere aujourd'hui, ils sont bien avec euh, Farming. Donc euh, Class, ça me surprendrait pas du tout qu'ils rejoignent euh, Farming que ça prend un DLC comme Zetor je sais pas à de voir ça mais en tous les cas ça va faire concurrence avec Catalan Crops maintenant ouais mais Catalan Crops je regarde il est bugué comme jeu et personnellement il euh, n'y a pas de quoi se casser euh, les fesses par terre quoi enfin ils ont fait leur jeu à eux certes il y a quelques marques regarde classe certes qui sont là dedans mais regarde il y a bien du Dots euh, Dots on a aussi sur euh, Dots ils sont les premiers à, été, à être sur Farming euh, 2011 donc euh, tu vois enfin on peut très bien rajouter des marques, mais ça c'est cool, peut-être qu'on a une moissonneuse, je sais pas. Je t'envoie le lien euh, Arnaud. Ok. Et euh, tu m'envoies le lien de ta chaîne, du coup euh, allez vous abonner à la chaîne d'Arnaud. Timothée je sais qu'il a pas de chaîne, donc du coup s'il y a une chaîne, euh, j'aurais mis la chaîne, euh, Timothée Inscription. Je t'envoie le lien. Tiens, Merci. T'inquiète. Euh, donc euh, les amis, il n'y aura pas de vidéo euh, la semaine prochaine car euh, je pars au ski. En gros je pars au ski euh, bah euh, samedi quoi, alors je tourne et vendredi. Donc la vidéo là aujourd'hui que, que je tourne, euh, du coup euh, ça remplacera euh, le concurrent parce qu'en fait je voulais tourner sur le concurrent mais en regardant ça je me suis dit il n'y a peut-être pas beaucoup de youtubeurs qui ont parlé de ça et je préfère euh, dire ce que je pense mon avis à moi donc voilà donc euh, bah écoutez les amis euh, du coup le concurrent reviendra euh, la semaine prochaine donc euh, je tournerai je pense euh, lundi Peut-être pas lundi, euh, si quoique lundi, j'essaie de tout tourner une vidéo. Sinon, euh, courant la semaine prochaine, vous aurez des vidéos sur le, le concurrent. Et, <coughs> Merci et euh, du coup, euh, les vidéos sortiront un peu plus tard. Euh, au lieu de 17h, sortiront bah, comme à l'heure euh, des vacances. Donc 10h. Donc euh, la vidéo, vous l'aurez à 10h. Donc voilà. Bah écoutez les amis, euh, si la vidéo vous a plu, c'est mettre un like. Euh, partagez, commentez et abonnez-vous à la chaîne. C'est pas fait. Et moi, je dis à la semaine prochaine pour une vidéo. Et ciao tout le monde Ciao Ouais, salut